Bonjour Guillaume Sarkozy. Bonjour. Un monde moins lisible a-t-il un impact sur la gestion des risques des groupes spécialisés dans la prévoyance comme le vôtre ? Oui, bien sûr. Nous passons notre temps à investir, à tenter de lancer de nouveaux programmes, à améliorer l'état de santé des personnes. Donc, moins il y a de lisibilité, plus c'est difficile. Et donc, nous travaillons beaucoup sur ces questions-là, de voir comment améliorer l'efficacité de nos programmes à terme. En quoi l'innovation est-elle aujourd'hui considérée comme un investissement incertain, notamment je pense à l'aversion pour le risque qu'il y a sur la scène internationale? L'innovation est majeure et par définition incertaine. On ne pourra pas sortir de la crise sans innovation. Moi, c'est pour ça que dans le groupe que j'ai la chance de diriger, c'est moi-même qui porte l'innovation, car je suis celui qui peut prendre le plus de risques avec le moins de conséquences. Donc oui, l'innovation est une politique majeure. Et comment changer ça ? Comment changer l'innovation, je crois que une des qualités des dirigeants de demain, c'est l'intuition. Bien sûr, le calcul, le raisonnement, l'analyse sont majeurs, mais d'abord basés sur une intuition qui permet de trouver la cible. Et la stratégie et la tactique se fera après. Pour moi, c'est dans ce sens-là que ça va marcher.